voilà, un ancien clip. Un musical. Hallelujah.
Il y a pour but d'annoncer l'évangile au peuple Rodugo. Et nous avons cette joie de voir la parole de Dieu impartée cette ville. Et c'est pourquoi ce soir, avant de passer au programme tard attendu, je voudrais ici, au nom de l'église AEC, l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, section Séguéla, adresser le mot de bienvenue à nos éminents serviteurs de Dieu. Je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance au président Saï Daniel de l'agence missionnaire Rich Africa et ses collaborateurs. Le prophète qui l'a accompagné et tous les autres serviteurs de Dieu et servants du Seigneur qui les ont accompagnés dans cette noble mission. Je prie que la grâce du Seigneur repose sur votre vie et que le temps que vous allez passer avec nous, que le Seigneur se serve de vous et qu'il puisse vraiment proclamer son Saint-Nom et que nous assistons ici vraiment au salut des âmes dans cette ville. Puisse le Seigneur vous combler de toutes les grâces et que la paix du Seigneur soit avec vous et que cette évangélisation croisade se déroule dans de bonnes conditions. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus va te faire du bien. Jésus va te guérir. Viens avec tes enfants. Parce que ce soir, on va recevoir des hommes de Dieu, deux hommes de Dieu qui vont apporter la parole de Dieu. Alléluia. Et le premier qu'on va recevoir, pendant que je vais dire son nom, tu vas acclamer le Seigneur pour le recevoir. Parce que c'est quelqu'un qui va te parler de la part de Dieu. Et dans sa prédication, tu vas voir que Dieu va te libérer ce soir. Donc, tu vas te tenir debout et acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Écra. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus. En poussant des cris de joie, on acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth?
On n'acclame pas le Seigneur ainsi. Tenons nos debout pendant une minute. Acclamons le Seigneur et proclamons la grandeur du Seigneur sur ces gars-là. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ensemble? Quelqu'un peut l'acclamer en poussant des cris de joie. Quelqu'un peut l'acclamer en disant Alléluia. Quelqu'un peut l'acclamer en disant gloire à Dieu. Quelqu'un peut l'acclamer en proclamant sa grandeur. Que notre Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. On va rester debout. Viens avec qui va t'apporter la délivrance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Son nom est Jésus-Christ. Viens la même qui arrive jusqu'à moi. Nous sommes pas ici pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Car nous avons déjà les preuves. Nous avons déjà la conviction que Jésus-Christ est Dieu. Et il a dit. Allez, aya fort. Et il a fait. Ce qu'il a dit. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir. Jésus-Christ a dit. M'a dit Jésus quoi? À mon nom. Les malades seront guéris. En mon nom. Les aveugles verront. En mon nom. Les sourds entendront. En mon nom. Les muets parleront. En mon nom. Les paralytiques marcheront. Notamment, et ce que Jésus a dit est la vérité. Parce que cela s'accomplit tous les jours. Lorsque son nom est proclamé, je veux annoncer un homme ce soir. Je veux annoncer une femme ce soir. Que le nom de Jésus est puissant pour les guérir ce soir. Que le nom de Jésus est puissant pour les libérer ce soir. Restaurer ce soir. Le nom de Jésus est puissant. Pour briser tes chaînes. Que le nom de Jésus est puissant. Pour accomplir l'impossible dans ta vie. Si tu as le même esprit que moi. Et la même conviction que moi. Est-ce que tu peux dire un amen très fort? J'entends pas ton amen. Est-ce que tu peux dire un amen très fort? Si tu es dans le livre des autres, le chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, et il est dit dans Exode 3, verset 1, il est dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Aya foko Moussa me aka sagako mikme amuse fai. Et il mena le troupeau derrière le désert. Atani bomoye tejefu kofe. Et il arriva à la montagne de Dieu. Asena kurudo kerefe mikme ala kakuye. Et l'homme de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Matika mereka dila kiye yala tasumayele dola. Dans un buisson ardent. Moïse regarda Moussa Yafle et voici le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit alors, Moussa Yafle, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et elle dit qu'il s'est tout l'air pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit à Moïse. Moïse. Moussa. Et il répondit, mais voici. Dieu lui dit. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une déserte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le
Ibrahim Allah. Le Dieu d'Isaac. Isaac Allah. Et le Dieu de Jacob. Ami Yakub Allah. Moïse se cacha le visage. Moussa ya anya d'abou. Car il craignait de regarder Dieu. A tous d'un anya se n'a tout d'un. Au verset 7. A hanya tous se la cosebe. Un peuple était dans une humiliation totale. Yamon d'un maroyala. Un peuple était dans une désolation totale. Un peuple était dans une misère totale. Un peuple était sous la domination des ténèbres. Pourquoi il apporterait la véritable réponse? La réponse qu'il te pose. C'est pourquoi je t'invite maintenant. À prier avec moi. J'ai tout fait. Mais ma situation est restée à l'état. Et ce soir, j'entends que tu es capable de délivrer, de guérir. Je viens à toi. Tel que je suis, je veux m'abandonner à toi. Je veux me donner ma vie. Rien n'a pu changer ma vie. Sois le Seigneur et le maître de ma vie. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. On peut acclamer pour vous. Restez sur place. Gardez les yeux fermés. Nous allons prier pour vous. Seigneur, que ton esprit soit en eux. Que ton esprit soit sur eux. Et que ton esprit soit avec eux. Et à partir d'aujourd'hui, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, ils soient reconnus comme des enfants de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu les anime. Que la vie de Dieu les anime. Que la vie de Dieu les anime. Que l'amour de Dieu remplisse les cœurs. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Jésus a transformé, nous sommes une nouvelle créature. Ce sont les anciens derniers, les derniers, les derniers. Et il fait de toi une nouvelle créature. Amen. Yes.
Je peux te donner l'assurance. Il y a des gens qui me regardent. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Le miracle, la guérison ne viendront pas de moi. Mais le miracle, la guérison vient du Saint-Esprit. Celui qui est capable d'opérer sans l'intervention humaine. Il est capable de localiser ta douleur. Localiser ta maladie. Jababo kadara kamande bonnet. Elle amène là où tu as mal. Et crois maintenant. Tu avais une maladie invalidante. Une maladie.
charisme. Afin mitre qu'on lui a dit. Le nom que porte cette maladie. Mitre qu'on mara. Je commande maintenant. Maquillé sur ton mara. Dans le puissant de Jésus. Que tu reçois la guérison. Que tu reçois la guérison. Que tu reçois la guérison. Je te libère. Au nom de Jésus. Tu vois le pouvoir de cette maladie. Je déclare au nom de Jésus. Que tu es affranchi. Que tu es libéré. Ouais, ça vient pas. Que tu es guéri. 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 Si tu avais une maladie dans ton sang. Et pendant que tu me dis, si tu avais une maladie dans ton sang. Pendant que tu es là. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Adorons-le, que tout le monde
Chicoté, 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 chic
J'ai dit une acclamation à Jésus dont je vais t'abonner. Jésus. Alléluia. La tano. La deuxième étape. A Flanado. C'est de croire l'autorité de Jésus. Car à casser Bayano. Jésus est puissant. Matri. Il est puissant pour chasser les démons. Il est puissant pour guérir les malades. Il est puissant pour restaurer. Dieu a encore fait des miracles aujourd'hui. Alléluia. Cette jeune fille, elle ne voyait pas bien. Mais elle dit, après la prière, elle voit bien, elle voit clair. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Ne regarde personne autour de toi. Reste concentré.
Laisse-nous entrer. Le miracle est pour toi. Touche maintenant. Dans le nom de Jésus. Yes, tu dois là. C'est vrai. Touche tes yeux. Elle visite tes yeux. Le Saint-Esprit visite tes yeux. Que le mal quitte tes yeux. Que tu ne viennes pas là, c'est ça. Au nom de Jésus. Yes, c'est toi là. Au nom de Jésus. Yes. Reconnaissons ce que Dieu est, ce que Dieu a fait.